Bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Le ministère qui marche sur deux jambes. La première, là où on s'appuie, c'est la repentance. Et la seconde, c'est la sanctification. Ce sont des mots qui n'étaient pas très populaires avant le Covid, mais qui aujourd'hui, grâce à Dieu, ont un regain de popularité parce que les consciences sont touchées. Si nous faisons ces vidéos dans le ministère, ces quatre vidéos, concernant ces messages prophétiques des temps de la fin, c'est que Dieu a parlé déjà en 1928 à Ove Falg, c'est l'objet de cette vidéo, mais en 1961 il a parlé à Tommy Hicks, en 1965 au ministre pentecôtiste Stanley Frotcham, un des pères du pentecôtisme, et en 1968 à une sœur norvégienne de plus de 90 ans en Norvège. Le présent message de Ove Falg a été encore développé par Tommy Hicks en 1961, tandis que le message de Stanley Frotcham et de la sœur de Norvège ont plus de points de vue en commun et ils relatent vraiment les événements du temps de la fin. Alors, soyez tous bénis à la lecture de ce message. Ne soyez pas des zappeurs comme on a l'habitude de le faire, mais écoutez jusqu'à la fin cette vidéo, une douzaine de minutes, c'est pas grand-chose, et même écoutez les trois autres parce que franchement vous serez bénis. Donc, qui était Ove Falg? Ove Falg était un pasteur en Europe pendant des dizaines d'années. Il est né en 1900. Puis en 1975, en 1975, il est allé finir sa vie en tant que missionnaire jusqu'à 92 ans. Amen. Donc il est décédé en 92. Alléluia. Ça me donne de l'espoir parce que Dieu peut utiliser des personnes encore âgées pour l'œuvre dans le ministère. Et moi, je n'ai pas encore atteint 75 ans. Si nous publions ces messages, c'est aussi que le Seigneur nous a donné des visions terribles sur ce qui arrive, ces prochains temps. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est vraiment pour réveiller les consciences. Donc, que dit Ove Falg? Il dit, le Seigneur m'a donné en 1928 une vision qui m'a bouleversé. J'en ai parlé à deux pasteurs qui m'ont dit, cette vision vient véritablement du Seigneur, mais tu ne peux pas en parler maintenant parce que personne ne va l'accepter. Que puis-je faire? Leur ai-je répondu. Attendre, m'ont-ils dit. Donc j'ai attendu 50 ans environ. L'un des deux frères est décédé et l'autre, le pasteur Anders Christiansen, m'a dit un jour, « Ove, le temps est maintenant venu pour que tu parles de cette vision, mais il faut prier pour qu'elle soit acceptée. » Ça vous donne déjà un petit peu la tonalité de ce qui va être partagé ici. La voici. « Je me rendais à bicyclette dans une ville assez éloignée, heureux, serein. Et tout d'un coup, j'ai entendu dans le lointain comme une belle musique et des voix qui chantaient sans que l'on puisse distinguer les paroles. Cela s'est amplifié et je me suis senti comme ravi en esprit, comme si quelque chose en moi s'élevait hors de mon corps. Je continuais à pédaler, mais j'avais l'impression d'être soulevé au-dessus du paysage. Ce n'était pas du tout mon imagination ni même ma réflexion. Loin de là, je ne m'y attendais en rien. J'étais surpris, abasourdi même. Soudain, j'ai entendu une voix qui me disait « Regarde en bas !» Et j'ai regardé, j'ai vu une carte géographique de mon pays et sur cette carte, une gigantesque croix qui s'étendait. « Approche et regarde !» me dit la voix. La croix était une sorte d'immense prison reconnaissable aux barreaux des fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Mais des extrémités de cette croix émanait un rayonnement. Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit « Église protestante », sur la branche horizontale « Église catholique ». Sur cette immense prison et ses cellules, la même main écrivait les noms des dénominations chrétiennes « baptistes, congrégationalistes, salutistes, apostoliques, pentecôtistes, luthériennes, etc. » Chaque cellule était pleine de gens qui criaient, et de chacune de ces dénominations venaient des affirmations qui les caractérisaient. Alors une voix s'est élevée et a dit, « Pourquoi tout ce monde reste-t-il prisonnier ? Mais je pars proclamer la grâce pour tous. » Puis la voix m'a à nouveau exhorté à regarder, et j'ai vu cette prison entourée d'une immense et splendide prairie, verdoyante, parsemée de bosquets, de fleurs, d'arbres, remplie de brebis et d'agneaux. Un magnifique ruisseau la parcourait et les brebis venaient s'abreuver à son eau claire.
de cette prairie montait cette musique d'une indescriptible beauté que j'avais entendue. La voix a retenti encore, disant: Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Une question s'est alors imposée à moi. Mais Seigneur, que cela signifie-t-il? Tout à coup, le ciel au-dessus de la scène s'est assombri. Le tonnerre s'est fait entendre et des nuages menaçants sont arrivés. J'étais dans l'angoisse et j'ai demandé: Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors le Seigneur m'a montré la fin, le jugement de la grande prostituée. Le ciel est devenu noir, les éclairs tombaient partout et soudain, dans un bruit terrifiant, le feu du ciel est descendu et a détruit en un instant le bâtiment en forme de croix. Mais avant cela, la belle prairie s'est évanouie sans que je m'en aperçoive. Bouleversé, j'ai alors posé cette question au Seigneur: Mais Seigneur, où est l'Église? Où est l'Église? Et le Seigneur m'a répondu: Je te l'ai fait voir. C'est mon troupeau et je suis le bon berger. Ovée poursuit en disant: Je ne sais pas comment expliquer avec précision cette vision, mais je pense que les brebis de la prairie sortaient de toutes les dénominations emprisonnées. Et il a complété un peu plus loin. Quand il est sorti de cette vision, il avait parcouru près de 100 km à bicyclette. Voilà ce que le Seigneur nous dit. L'Église, ce n'est pas l'Église des hommes. L'Église que Dieu a créée, ce n'est pas l'Église que l'homme présente au Seigneur, mais c'est l'Église que lui-même transforme par son Saint-Esprit. C'est l'Église que lui-même conduit. C'est pourquoi nous devons revenir au fondement. Nous devons nous repentir, nous devons chercher pour de vrai la face du Seigneur, nous devons chercher qu'est-ce qu'il veut et obéir à sa parole. Tels sont les temps dans lesquels nous vivons. Et si vous écoutez la prophétie de Tommy Hicks, il parle de la même chose. L'Église du Seigneur appartient au Seigneur. Ce n'est pas les hommes qui la façonnent en aucune manière. Mais le Seigneur vient pour établir toutes choses et il veut que nous écoutions sa voix, que nous entrions dans la repentance, dans la sanctification, dans la recherche des sentiers anciens, revenir à l'Église du temps des apôtres, et que le Saint-Esprit soit notre seul guide pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que le Seigneur nous bénisse tous, parce que nous avons tous besoin de revenir là où nous l'avons quitté. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et merci d'écouter les trois autres vidéos, parce que vous serez bénis. Et surtout, ne lâchez pas, parce que la vidéo du message du pasteur que le Seigneur a donné au pasteur Stanley Frotcham dure 26 minutes. S'il vous plaît, ne soyez pas moderne pour zapper, écoutez-la jusqu'au bout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous vous aimons. Amen.